La cérémonie officielle de remise des diplômes est toujours un moment rempli d'émotions et de fierté pour les étudiants, mais aussi pour les parents et leurs proches, car elle marque l'aboutissement de plusieurs années d'efforts et de sacrifices. Je le dis très simplement, tant il m'apparaît évident que tout au long de votre carrière professionnelle, comme celle d'autres, de femmes et d'hommes, l'institution où nous avons fait nos classes demeure une référence qui nous accompagne et dont nous puisons souvent nos ressources. À la NCCS Binet School, il y a également du personnel enseignant, non enseignant, qui apporte, je crois, toute sa part dans la réussite de l'établissement par son dévouement remarquable et ce qui appelle également tous les éloges. Qu'ils en soient ici remerciés aussi. Vous avez sûrement un rêve. Un rêve concernant votre propre carrière et un rêve concernant votre pays et le monde de demain. Et le monde de demain se trouve un peu, je dirais, dans une sorte de nuée, de nuage d'incertitude. Mais il y a toujours les grandes valeurs qui restent. Le travail, l'intégrité, la pensée positive et toujours vouloir être excellent et toujours chercher la perfection. Je souhaiterais pouvoir être avec vous et vous comprendrez bien que ce n'est pas possible, mais j'espère que l'occasion m'en sera donnée l'année prochaine. Avant tout, je souhaite féliciter la direction de la MCCI Business School pour le maintien de ce moment solennel de remise des diplômes, malgré un contexte sanitaire contraint, en présence, même virtuelle, de tous ses partenaires historiques et récents. Je me réjouis de ce partenariat inédit entre l'Union et, bien sûr, le lycée Labourdonnais, l'ambassade de France à Maurice, partenariat engagé depuis 1988 qui nous a permis de déployer des formations de sections de techniciens supérieurs et la délivrance de brevets de techniciens supérieurs, programme qui a connu un grand succès puisque nous avons pu délivrer des diplômes à plus de 3500 lauréats depuis son existence. Bonjour à tous, Kimanir. Je salue toute la communauté éducative de la MCCI Business School ainsi que ses illustres invités qui lui font l'honneur de leur présence en ce jour spécial. Cela fait 15 ans que la licence professionnelle métier de la communication existe à l'Université de La Réunion, contre vents et marées, et nous entamons notre troisième année de partenariat avec la MCCI Business School. Avec beaucoup de bonheur en ce qui me concerne, je dois le dire. Cette année 2019-2020 restera certainement à part dans notre histoire, puisqu'elle a bousculé nos vies et nous a obligés à trouver en urgence des solutions pour sauver l'année universitaire de nos étudiants. Chacun d'entre nous se souvient de ce vendredi 20 mars 2020 à 6h où tout s'est arrêté. Il a fallu en urgence organiser un enseignement 100% à distance et réorienter les projets tutorés des étudiants qui sont si importants pour la réussite de leur diplôme. Donc, comme l'a rappelé Hélène, ça fait 5 ans que cette formation fonctionne régulièrement, sans accrocs. Et donc, nous nous en réjouissons. J'en profite également pour remercier Hélène pour son engagement, puisque c'est elle qui a bâti cette licence et qui l'a conduit depuis 5 ans. En partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice. Donc je remercie également M. Toriden et ses collègues pour leur accueil, pour permettre que soit possible ce partenariat et donc avoir donné donc les conditions de réussite et puis aussi d'expansion, puisque maintenant il y a également des étudiantes qui viennent de Mayotte, qui sont accueillies, donc c'est un signe de dynamisme et nous ne pouvons qu'espérer que cela se poursuive. Si la situation sanitaire me le permettait, je serais ici à vos côtés pour célébrer ce beau moment de la vie académique de nos institutions. Voici 20 ans, nous mettions en place ici un programme de formation francophone au management
fondée sur cette association savante du face-à-face et de l'enseignement à distance, qui aujourd'hui devient un modèle sous le vocable d'enseignement hybride en français et de blended learning en anglais. Madame, Monsieur, je tiens à vous remercier, au nom de l'IAE de Poitiers, pour votre fidélité et votre soutien au rayonnement de nos formations francophones, rayonnement auquel nous sommes tant attachés à l'IAE de Poitiers. Il est temps à présent de m'adresser à vous, chers diplômés. À quoi pensez-vous en ce moment? Qu'éprouvez-vous? Probablement l'excitation de la fête à laquelle vous prendrez part, avec toutes les précautions d'usage, car nous voulons que ce moment soit un moment de réjouissance commune. Vous pouvez aussi vous permettre d'éprouver une certaine fierté